à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oh, c'est très intéressant. Oh. Nous avons aujourd'hui un palastre Torishine BF1000. Alors franchement, il fait BF aussi Yodur, hein, faut pas croire. Il y a aussi un amorceur. Bon, alors je ne sais pas comment que ça se branche, parce que de base, il n'y a pas justement d'amorceur sur le BF. Il n'y a plus sur Yodur, mais bon, on va essayer de le brancher. Je pense savoir comment que ça se branche. C'est comme, on va dire, un petit peu le système du Yodur 400 watts. On défait simplement un fil d'amorceur et c'est devenu une PF. Donc là, aujourd'hui, nous allons voir la même chose, bien sûr. Mais franchement, je suis sur le cul. J'espère que ça va fonctionner, parce que le palastre est un peu dégueulasse, il est un peu terre, hein. Je vais vous le montrer, il est hyper lourd, sa mère. Là. Ah, on n'est pas bien, là. Regarde. Alors, aujourd'hui, on va déjà le nettoyer, parce qu'il est plein de terre. Alors, je pense qu'il a dû mariner un petit peu dans le lac à Doubs, hein. Mais, comme on sait très bien, malgré qu'un ballast ferromagnétique, ça prend l'eau, ça prend la poussière, ça prend la boue, ça fonctionne toujours. Bon, il y a un amorceur, on va pas l'utiliser puisque c'est pour une BF, hein. Donc du coup, là, c'est ça qui est bon, hein, voilà. Bon, pour ma part, je ne sais pas. Là, j'ai fait la vidéo, je ne sais pas si ça fonctionne. On va le voir ensemble. Ce serait vraiment une dinguerie de se dire, peut-être que ça va fonctionner, on n'en sait rien. Là, on va dire, c'est plus une découverte pour ma part, parce que j'ai jamais eu l'occasion de voir une BF1000 allumée. Je pense que beaucoup de gens dans ma communauté ne connaissent pas une BF1000 allumée. Moi, j'en ai eu l'occasion qui est née dans les années 88, qui a grandi dans les années 90, ou qu'à Paris, il y avait les autoroutes remplies d'éclatés KMR 140, des BBTK 1000, ou des Sony Duval Vega LM40, LM4 plutôt. Quand on voit tout ça en BF1000, ça fait plaisir. Bon, tout a sauté depuis longtemps, hein, bon, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on va avoir l'obligeance et l'intérêt de voir une BF1000 allumée. Franchement, ce serait une dinguerie. Alors, je vais pas utiliser mon Osram, hein, bien sûr. J'ai fait une vidéo où j'avais récupéré deux poupoules BF1000. On va en allumer une. Alors, elle est neuve, mais bon, on va s'amuser à en allumer une, parce que sinon, j'en ai pas d'occasion. Bon, on va pouvoir commencer, ça fait plaisir. Donc, on va pouvoir s'amuser à démonter, nettoyer le bordel. Voilà. Alors du coup, ce qui fait, par contre, j'ai ma caméra qui est pas plus basse. Voilà, on ferme ça. Voilà. Donc la platine appareillage. Donc j'ai ramené mes petits outils de qualité et on va pouvoir un petit peu voir un petit peu le truc. Donc du coup, c'est vrai que c'est impressionnant de se dire que cette ballast là. Ah, par contre, je vais m'enrichir en poussière, c'est bien ça. Donc on va aller. Ah, la poussière de merde. Alors je pense quand même. On va déjà prendre ça déjà. Alors déjà c'est simple, on va déjà démonter déjà les organes qui sont là. Les fameux condos qu'on connaît. Par contre hein, c'est des trucs de mal des condos. C'est impressionnant comment ils sont immenses. HN condo. Well. Non par contre c'est des gros condos quand même, on peut voir. C'est du Prélio, alors par contre je ne savais pas. Alors le condo, il date de 90. Donc c'est pas étonnant. Un ballast des années 90 comme ça. Alors, du coup, ce qu'il fait, c'est que. On va regarder. De toute façon, c'est simple. Alors, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà. Voilà, démonter ça. Voilà. C'est vraiment simple à démonter, c'est déjà. Voilà. Voilà, de toute façon, les condos, j'en en laisserai qu'un seul. Voilà. Voilà, un joli petit condo des familles. Voilà. On a le gros condo, c'est mort. Bon, alors du coup, ça. Bon, attends, bah celui-là, je suis en train de niquer ma pince. Une petite pince, une petite pince. Voilà. On va mettre la pince là. Là, c'est pas un petit condo, c'est un beau condo, c'est mort. Bon.
Bon, alors vous allez me dire, ouais, non, mais je vais remettre le condo. Hein. Vous en faites pas. Ah, le condo, c'est une trop vache. Truc de malade. Ah, c'est un prénom aussi. Je ne savais pas. Alors, ça, vu comme ça ne veut pas sortir, je parie 1000 euros que c'est un condo avec des fils durs. Avec des fils. Bien sûr. C'est ce que je pensais. Ouais, hein, mars 90. Hein. Franchement, des condos pareils, j'en ai jamais vu de ma vie. À part sur le SHP 1000. Voilà. Bon, les fileries, on n'a pas besoin de changer. Je pense que l'amorceur, on n'a pas besoin de l'utiliser. Hein, parce que c'est pour une BF 1000. Là, ça va être sportif. Comme vous avez vu, le ballast, il est vraiment en très mauvais état. Alors déjà, ça, c'est pas grave. Vous allez me dire, ouais, la vache, le viol, compagnie. Tu vas t'amuser à allumer ça. Il y a des défauts partout. Bon, là, c'est simplement pour l'allumer. Hein. Je ferai un truc plus propre là-dessus plus tard. Quand j'aurai 5 minutes, je le referai proprement. Parce que là, c'est... Là, point de vue fuite ou machin, ça vaut le bon. Hein. Alors, du coup, ce qui fait, je vais prendre un petit tournevis des familles et démonter tout ça. Non, déjà, c'est déjà casse-couille parce que déjà, il y a tellement de la terre partout là-dedans, c'est une dinguerie. Là. Là. Voilà. Oh, j'ai hâte de voir le résultat, franchement. Je sais pas si vous, c'est pareil. C'est satisfaisant. Franchement, là, pour ma part, c'est vraiment de la découverte. Parce que, bon, j'espère aussi que ça va fonctionner, ce serait con. Non. Alors, apparemment, il y a une vis qu'il faut démonter comme ça. Non. De toute façon, après, la litière, elle est sec, donc du coup, ça pose pas de problème. Alors, les petites ballonneries des familles. Bon, je suis en train de me dégueulasser de ouf. Alors ça, du coup, on va mettre cela. Il me faut les embouts. Les embouts, je les ai pas là. D'arrive. Voilà, donc, je prends pas mon tournevis là parce que ça fait des années que je l'ai et le tournevis est complètement affûté. Alors, il me faut... Bon, je vais regarder, est-ce que ça va? Oui, est-ce que je peux prendre un petit peu plus large? Pour au cas où. Pour faire plaisir à maman. Ah, peut-être celui-là, il me plaît bien, celui-là. Il me plaît bien comme il faut. Alors, là... Ah, chienne, pas assez. On va prendre celui-là, hein, on va tester avec ça. Ouais, c'est bon. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ouais. Alors, on va déjà démonter ça. Là. Alors, j'ai hâte de voir le résultat. Franchement, je vous garantis, ça serait une dinguerie de faire ça. Parce que là, franchement, ça serait une dinguerie. Donc, alors, pof. Non, ouais. Alors, déjà, première chose. Bon, alors déjà, c'est simple. Les vis, c'est mort. C'est un petit peu, on va dire, déglingué, c'est mort. Donc du coup, ce qui fait, c'est que là, on va laisser ça, on va découper, on va simplement chanter pour que ça fonctionne. Ce sera déjà le principal, parce que là, j'ai vraiment hâte de voir. Donc du coup, là, on va pouvoir regarder tout ça. Franchement, ça fait plaisir, pourquoi? Parce que là, on va simplement chanter, c'est simplement ça. Donc, là. Bon là, ça sert à rien, le domino, il est complètement naze. Mais je vais essayer d'en trouver un. On va essayer même de le faire fonctionner, je pense pas. Donc là, bon, ça, le disjoncteur, ça sert à rien. Il est complètement pourri. Donc ça sert à rien. Donc là, pof. Donc là, on n'a pas besoin. De toute façon, je le nettoyerai plus tard. On va déjà voir. Alors, on va déjà remettre les condos. Je pense que... Ouais, on va tester les condos quand même. On va remettre les condos. Alors, de toute façon, je sais qu'il n'y a pas non plus 3 tonnes de trucs à faire. Ça, à chaque fois, c'est la même chose. Voilà, donc le rouge d'un côté et les bleus de l'autre. Voilà. Tac.
Et on va tester comme ça à l'arrache. Hop là, donc on a les deux condos. Voilà. Et là, on va pouvoir regarder tout ça tranquillement. Donc franchement, j'ai hâte de voir. Alors déjà, on va déjà dénuder et refaire un truc plus propre. Alors déjà, celui-là, c'est mort. L'amorceur, il dégage. Ça, c'est sûr. Je ferai un truc plus propre à l'occasion. Voilà, c'est mieux. Et là, on va... Donc là, ça, c'est la phase. Donc là, bon... Ah oui, comme un ballast normal, hein. Ça change pas. Donc, on va mettre le ballast. Donc là, la phase. Alors, par contre, ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant. Voilà. Donc ça, on va faire ça proprement. Donc là, ça, c'est la phase. Donc le retour lampe qui est là. Et là, on va pouvoir regarder justement ensemble. Donc là, ça, le condo, on va le laisser. On peut même le virer parce que ça sert à rien. On va peut-être le chanter là et on va le mettre là. Voilà. Voilà. Alors, comme ça, c'est fait. Voilà, donc ça tac. Ça, la phase va aller avec là. Voilà. Paf, alors on a ça. Le retour là, on peut le laisser. Bah, non, de toute façon, faut que je le change parce qu'il faut que je mette. Si, mais je sais, il me faut un dominal en plus. Hein. Ah oui. Il me faut un domino en plus. Alors du coup, ce qui fait, c'est pareil, il faut que je recherche mon câblage que j'avais. Câblage Torishine. Hein. Faut que je le retrouve. Bien sûr, je le rechercherai après. Donc là, le neutre. Ça, je peux directement le mettre sur le neutre directement. Donc ça, je peux le couper ici. Voilà. Donc ici, je peux le couper. Voilà, donc ça c'est fait, voilà, tac, 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 voilà, alors ça par contre c'est chiant, j'ai mis ça proprement, mais j'aurais pas dû, voilà, tac, parce que là je vous garantis c'est le merdier total. Voilà. Voilà. Tac. Là. Ah, déjà. Ok. Ça, le neutre, il va là. Voilà. Ça, ça va là. Ok. Le blanc, il saute. Voilà, donc ça paf, ok. Et là, on va rebrancher une des phases. Une... Voilà. Alors ça, c'est fait. Alors j'espère qu'il va fonctionner. Je pense que oui, hein, de toute façon, c'est sûr. Je mettrai un petit morceau de Chatterton ou un truc comme ça. Je verrai ce que je peux mettre ici. Hein. Je pense que je mettrai du Chatterton pour bien le faire proprement. Je sais même pas si en dessous c'est pareil, j'en sais rien, je ne sais pas du tout. Donc on verra ça bien sûr plus tard. Donc du coup ça a sauté. Donc là le fusible là, le dominal, il a sauté parce que vu la gueule du dominal, je suis pas sûr qu'il fonctionne. Alors du coup je vais regarder avec mon tournevis. Ce serait été bien quand même que ça fonctionne. Que je puisse mettre la phase dedans. Sauf que le truc est tellement bien pourri. Que ça fait rien. Et là, on va tester. J'ai pas de tournevis d'autre. Parce qu'en fait, j'ai un petit tournevis. Mais j'ai pas de... Là. Ok. Donc ça, paf. On va prendre ça. Tac. Là, on va prendre le machin qui... Voilà. Voilà. Alors, du coup... Ah, il est complètement mort. Complètement mort le dominal. Ça a pris bien la flotte. Alors je vous garantis, c'est vraiment une dinguerie. Alors du coup, il faudrait que je trouve un domino quelque part. Parce que j'en ai pas des masses. Ah, je pourrais peut-être me prendre des dominos de ballast en fait. Faut que je regarde ça. De toute façon, on va regarder ça. Donc là, la face de la lampe. Elle va là. Donc ça dégage.
Attends, je regarde. Ça, c'est la neutre, ok. Ça, c'est la phase. Hop là. Donc là, du coup, ça... Ah vache. Ah ouais. C'est le cuivre étamé. Ouais, ça, c'est chiant, ça. C'est du cuivre bien dégueulasse. Ah, j'ai mon imprimante qui s'éteint. Ah, c'est bien dur tout ça. Voyez, t'as fini mon imprimante là de s'éteindre là. Parce que disons, tu prends trois plombs tes dames, toi. Là, ok, ça c'est la phase. Donc vraiment, on alimente ça comme un ballast normal. Hein. Voilà. On va faire ça. Voilà. Allez. Là. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à trouver deux dominos. Et le tour est joué. A few moments later. Alors, du coup, j'ai fait un petit peu le marmaille. Donc là, maintenant, on va faire un petit peu le montage de qualité. Alors, du coup, ce qu'il fait, c'est que ça, j'ai pouvoir dégager tout ça. J'ai monté, j'ai assemblé le truc et tout le bordel. Donc là, maintenant, on va pouvoir regarder si ça fonctionne parfaitement bien. Alors, du coup, ce qu'il fait, c'est que là, ça va être comme ça. Le problème, c'est que la lampe, elle va être tellement grosse que ça va pas aller dans la caméra. Alors du coup, la petite PF, la petite BF, hein. Une petite. Alors il y en a une qui a une étiquette, je sais pas c'est laquelle, alors c'est pas celle-là, c'est l'autre. En fait oui, j'ai voilà, c'est une BF comme ça que je vais mettre, une BF 1000. Voilà, alors du coup, voilà, c'est celle-là. Voilà notre cobaye. Voilà. Voilà notre cobaye. BF1000 de qualité. Je fais ça un petit peu. Voilà. La poussière, elle commence à aller dedans. Là, un petit peu d'oxydation sur le machin. C'est pas si grave que ça. Alors du coup, on va reculer un petit peu la table. Oh vache, comme elle est lourde la table. Et on va mettre ça là-dessus. Voilà. Voilà. Alors, ce que je peux faire, encore en plus, je peux faire ça. Le problème, c'est qu'on voit pas la BF. Alors, du coup, ce que je vais faire, je vais un petit peu déplacer ça. Pour que le palace Trotochine y suaille. Alors, attends, je vais faire ça. Alors déjà, ça me saoule, ça met pied et ça traîne. Voilà. 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 On va essayer que tout soit dans le champ de vision. Voilà. Voilà, alors du coup, voilà la fameuse BF1000, franchement je suis sur le cul. Alors par contre, si ça claque, c'est normal. Je vais peut-être mettre une petite protection quand même à l'avance, ça sera peut-être bien quand même. Mais j'ai pas de disjoncteur à la place. Comment je vais pouvoir faire Alors, est-ce que j'ai une protection là-dedans? Ouais. J'ai une protection là-dedans. Alors, tac, hein, je vais prendre ça. Voilà. Ah oui, c'est vrai, c'est tout à merdier. Ah ouais, chienne. Bon, bah vous savez quoi? L'amour du risque. Ah, ça fait chier parce que je voudrais bien tester, mais avec un disjoncteur. Et comme j'ai pas de disjoncteur là à mes mains, c'est le gros bordel. Bah on va tester comme ça, hein. Voilà, on va y aller comme des gros bourrins, on va tester. Alors, du coup, je sais pas, ça me donne envie là de protéger ça, parce que j'ai pas envie d'avoir de problème. Mon tableau, bah oui, mon tableau. J'ai un disjoncteur, j'ai même un... Ah, bah oui, je suis con. Ah, j'ai même un 30 mm dessus, mais c'est génial ça.
Alors, attendez. Là... Oh, bah oui, je cherche un truc où il y a une protection. Il y a une surprotection. Il y a même un 30 minutes sur mon armoire EP. Voilà. Donc ça, ça va là. Non. Est-ce que l'armoire est branchée? J'en sais rien. Oui. Ah. Voilà. Alors du coup, on va pouvoir avoir le résultat. Donc ça, c'est bon. Allez. On y go. On met ça. Allez. Est-ce que vous êtes prêts ou pas? Moi, je suis vraiment prêt. Franchement, ce sera la première fois que je vois une BF allumée. Une BF 1000. Oh, je pense que j'espère que ça va pas péter ou un truc comme ça. Là, de toute façon, on va voir réellement. Hein. Bon. Ah, j'ai hâte, mais j'ai peur en même temps. J'ai peur et j'ai hâte en même temps. C'est une dinguerie. Bon, on y croit. Allez, 3, 2, 1. Wow. Ah, oh, le viol. Oh, c'est magnifique. Oh la vache. Ah, oh, la vache, la puissance que c'est. Oh, what. Une BF aussi grosse, ça lui rend. Oh, c'est impressionnant. Ils ronronnent à merveille. Les condos fonctionnent. Bon, je touche pas leur machin. Mais c'est impressionnant. Ah, c'est magnifique. Waouh. Oh la vache. Et c'est même pas au maximum. Oh la vache. Alors, pour info, le ballast ronronne bien. C'est bien, c'est qu'il fonctionne bien. Oh, oh la vache. Il est pas au sommet de la forme encore. C'est pas encore au maximum. Oh la vache. What the fuck. Oh là, vous savez pas, vous imaginez même pas. Comment que c'est impressionnant de voir une BF1000 en face de soi allumée. C'est tellement beau. Et je suis sûr que c'est pas allumé à fond. Oh la vache. C'est impressionnant. C'est magnifique. Bon, je valide. What the fuck? What the fuck? Ma BF1000 elle est morte. Waouh. What the fuck? Oh, comment que ça a volé? Waouh. Alors là, je suis sur le cul. Je suis sur le cul. Une puissance de ouf. J'ai jamais vu ça. Waouh. Ah, le truc de ouf, le viol collectif. Bah, j'ai pété la seule unique BF que je pouvais allumer. Oh, waouh, le viol. Oh la vache, le bordel. Waouh. Ah, le truc de ouf de malade. Putain. Waouh. Alors déjà, je sais que le ballast fonctionne. Mais la puissance, what the fuck? Il y a un morceau de verre qui est parti des deux côtés. Ah, c'est un truc de dingue. Ah, putain, merde. Ah, ça, putain. Ah, ça fait chier, merde. Ah, la vache, comment elle a pété. Alors, je ne sais pas pourquoi qu'elle a pété. Alors, bon, il faut penser quand même que c'est des Philips dernière génération. Donc, c'est pas étonnant du tout. Mais, what the fucking? Comment elle a explosé?
Oh la vache! C'est impressionnant. J'ai... What the fucking... Wow. Franchement, on va peut-être passer au bilan, parce que là, il y a vraiment des choses à dire sur le bilan. Donc, avec Darol, bordel. Bon, ben on passe au bilan. What the fuck? Oh la vache, le viol collectif. Franchement, c'est un mal pour un bien. Parce que sachez quand même que les Philips, dernière génération, les enveloppes en verre, l'ampoule, étaient très fragiles. Je ne sais pas pourquoi qu'ils sont amusés à faire des lampes en verre. Il faut penser quand même que les dernières BF qui ont existé, c'était vraiment les dernières. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont lésiné sur la qualité. C'est-à-dire qu'ils ont... Allez, ils ont fait n'importe quoi. Mais franchement, une BF explosée devant mes yeux, j'aurais pu m'avoir un éclat de verre dans la gueule. Mais franchement, c'est impressionnant. J'ai jamais vu ça de ma vie. Une BF-1000 allumée, me pète en pleine gueule. Putain, le truc de what the fuck. Franchement, alors déjà, première chose, le ballast, chapeau, nickel, impeccable, ça fait plaisir. Mais alors là, maman, l'explosion que ça fait, je sais pas si vous l'avez entendu, mais franchement, c'est un truc de malade. Je pensais pas dans ma vie voir une BF-1000, alors maintenant, c'est terminé, je ne peux plus. Je ne peux plus, pourquoi? Parce que ben, la BF, elle a pété. Donc du coup, heureusement que j'ai pas utilisé mon Osram derrière, heureusement. Alors, je pense qu'elle avait un défaut. Alors, sachez quand même que certaines, j'avais aussi une petite zone H 110 watts. La zone H 110 watts, même installée là-dedans. Hein. Au niveau de l'embase, parce qu'en fait, c'est une ampoule en fait, qui est déjà préformée. Et après, il y a tout ce qui est au niveau du queso, tout ça, c'est assemblé par collement, c'est-à-dire par chauffage, par collement. Sauf que là, en fait, c'est que ça a pété vraiment au niveau du col. Donc, c'est-à-dire qu'en fait... Il y avait un défaut au niveau du col qui fait que ça a explosé. Alors, je ne sais pas pourquoi, pour quel motif, mais ça a pété. Alors, du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà. Je suis content. Le ballast fonctionne. Je suis content. La BF-1000, j'en ai vu une pour la première fois allumée. Et la dernière fois, la troisième chose, je suis pas content parce que la lampe, elle a explosé pour une mauvaise fabrication de lampe. Donc du coup là, la petite vidéo se touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu, malgré que j'ai failli m'avoir une BF en pleine gueule. Franchement, là, on a vraiment du potentiel, franchement, ça fait plaisir. Maintenant, j'aurais plus qu'à retrouver des BF-1000. Franchement, je pense que je vais trouver des BF d'occasion, je vais pas m'acheter des BF-1000, parce que je vous garantis, c'est une vraie merde à trouver. Des BF d'occasion, je trouverai une BF-1000 quelque part. Et je pourrais renouveler le truc. Et heureusement, franchement, c'est une dinguerie de voir le truc comme ça. C'est une dinguerie. C'est tout. Donc, on va pouvoir se laisser là-dessus. On se retient quand pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... J'ai failli avoir une BF en pleine gueule. Ah, c'est pas faux.